Hell Yeah sur la Web Rock Station Vinyl Times, le Classic Rock Radio en direct avec nous ce soir depuis les Pays-Bas, Ardeg. Hi Ardeg, how are you? Hi, I'm great. How are you? Yes, great. Fine, fine, fine. Finally, I can join you live show tonight on our web rock station called Vinyl Times, based in Paris, France. And the show is Too Fun in Rock. Cool. Glad to be here. Yes, my name is Hereg Melodica. Okay, I'm very pleased to hear you tonight. So, the audience tonight, we are located in Paris, in France, okay? We have an audience from Paris to some countries from Maghreb, as Algeria, Tunisia, Morocco, and some other European countries, whereas Germany, as Italia, as Greece, as Turkey, you know, we have a lot of followers because our system of distribution is Amazon. Cool. Yes, yes. Great. Yes, great, great, great. Please, before I start, Ardeg, I need to read an introduction in French, okay? Yes, of course. Okay. Frankensteina Stratae Montanus est un album qui interpelle nos esprits, séduisant par son côté cinématographique et orchestration dès la première écoute. Nous sommes véritablement dans un album scénarisé qui nous caractérise un monde, celui du docteur Johann Conrad Dippel, théologien et alchimiste allemand, connu pour avoir effectué des recherches et des expériences en vue de créer un élixir de jouvence. Ayant vécu au château de Frankenstein en Allemagne, il est à l'origine du personnage de Victor Frankenstein dans le roman Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley. Musicalement, Frankensteina Stratae Montanus propose des passages impressionnants et cela dès le départ avec la narration In a German Woodland, suivie du titre d'ouverture Scourge Roll Undead et ses orchestrations puissantes, très puissantes. Frankensteina Stratae Montanus est un album riche en diversité, très réussi de par sa technique, son incroyable élévation, ses paroles toujours plus poussées et recherchées. Ardeg, I said, Frankensteina Stratae Montanus is an album that appeals to our minds, seducing by its cinematographic side and orchestration from the first listening. Hell yeah. Cool. Thank you, man. Yes. The press and media fans all agree that Frankensteina Stratae Montanus is just incredible. You have an international recognition with the new album. Hell yeah. Yeah, that's awesome. We are blown away by that. So, it's unreal. Yeah, effectivement. C'est vraiment, comme il dit, c'est incroyable en ce moment. Hein. Comme je le décris, en tout cas, ce disque a reçu de la part de la presse mondiale, en tout cas metal et des fans, que des ovations, que des bonnes chroniques, en tout cas. Et c'est vrai. Et ce disque, il est absolument fantastique, notamment dans ses orchestrations. On va y revenir. Non seulement dans sa progression, dans sa musique, tout est parfait. Tout est quasiment parfait. Touché. Ouais. C'est vraiment très, très beau. So, ouais. Finally, on that album, we are in the movie. We are in the movie, inside the movie, a horror movie. That's the idea. Yeah, the level is even higher, of course. So I think you have a very obsessive temper. You knew exactly what you want for this album. Yeah, I mean, we take our time to write these albums, and now more so than ever before. Especially because Frankenstein is a theme that has been done a lot in popular culture, in movies, books, of course. And I think the original book is just magnificent. And we wanted to make a very original approach to this, not just the monster with the nuts and bolts. And that's why we sort of bent behind the story and came to Dippel and created this a sort of new version of all of that. Yeah. Ouais, comme ils le disent, ils ont pris le temps pour le faire. Hein. Effectivement, ils ont pris beaucoup de temps pour le faire, mais ils l'ont fait. Ils ont suivi le bouquin. Il y a tout l'histoire, il y a tout quoi. Et ces orchestrations là, c'est un truc de malade quoi. Je vous dis, quand cet album, il est énorme quoi. Hein. Il est disponible donc depuis le 21 mai dernier. Il est sorti en tout cas via le label Season of Mist et ce soir en direct avec nous Ardeg. Ouais, c'est juste fantastique quoi. C'est vraiment bon. Et puis ils savaient ce qu'ils voulaient en tout cas en faisant ce disque quoi, notamment quoi. The new album is more melodic and perhaps more accessible album at this moment. For example, I love the monster sound. Cool. That's great. Thank you. Mm. Yes, because it's very accessible. You know, everyone, a metalhead can listen to this album. Yes, this was the idea to have a couple of songs that are more
experimental, but at the same time more accessible or catchy. Mm-hmm. And they're also the most fun for us to create because it was so, yeah, it was a new thing for us, fresh and not easy, because if you make a song with little, with less riffs, they need to be, you know, they need to be really perfect. Right. You can't get away with 10,000 different parts. Okay. And yeah, so, but we had a lot of fun with that, and it's really cool to see that people like it. Yeah. Ok, donc en fait ils sont super contents que les gens aiment, parce qu'effectivement ils se sont pas réservés notamment au black metal comme ils étaient enfin à leur début, là ils se sont ouverts, effectivement il y a beaucoup de parts, il y a énormément de parties, c'est adaptable pour tout le monde, tout le monde peut l'écouter, en tout cas tous ceux qui aiment le bon métal, je vous conseille vraiment ce disque, il est vraiment très bon, il y a beaucoup beaucoup de choses, et ouais ouais c'est vraiment très bon. Continuons. But also technical musically, the progressive parts are really present. I feel that everything is very well balanced on the new album, lyrics, the metal parts, and orchestrations. Thank you, thank you. Yeah, we, I mean, we want an album to be an experience like a movie, like you say, and in every movie, you don't have continuously action scenes. You know, you have an intro, you have an opening, you have tension. And, you know, we are storytellers, so we take a lot of work in trying to make a very good balance story-wise, and also throughout the album, so that you keep listening. And we have always done that, but now more than ever before. And I think when you listen to this album, you appreciate the songs in their, you know, as apart, but also, you know, together. I've heard people say like that they like the individual songs better after they listen to the album in its entirety. So that's really cool. Ouais, effectivement, quand il a écrit ce disque, notamment, il a pensé à tout, hein, notamment à la metal part, là, musicalement, les orchestrations, tout est bien balancé en tout cas, hein, tout est bien équilibré à l'intérieur, c'est vraiment très très bien fait, quoi. Continuons en tout cas sur la Web Rock Station, Vinnie Times, le Classic Rock Radio, en direct avec nous, Ardek, tout simplement, les musiciens, effectivement, qui jouent dans Karak Angren, notamment, il y est en tant que clavier, il y est en tant qu'orchestre et guitare, en tout cas, c'est un très beau disque. L'album s'appelle Frankensteina Stratemontanus, en tout cas, il est sorti le 21 mai dernier, et voici la setlist. Here, ça commence avec Here in the German Woodland, l'intro qu'on s'est écouté initialement. Ensuite, en 2, Scorch Rule Undead. En 3, Frankensteina Stratemontanus. En 4, The Necromancer. En 5, Sun for Solitude. En 6, Operation Compass. En 7, Monster. En 8, Death Vampire von Nuremberg. En 9, School with a Forked Tongue. En 10, Like a Conscious Parasite I Roam. Et puis, il y a un bonus track qui s'appelle Frederick's Experiment. Quel album, je vous le dis. Le line-up, c'est Seregor, Ardek lui-même. Et puis, Namtar à la batterie. C'est un truc de malade, quoi. Ce disque, je vous le dis, je vous le conseille vraiment. C'est vraiment beau, beau, beau. Continuons en musique. Hell yeah. I hope, Ardek, I hope one day this album, you will play this album with the symphony orchestra on stage. Yeah, who knows? That would be cool, right? Yeah, because everything is on it for do it. This kind of idea. Yeah. Everything is speaking about this. I hope there's an orchestra that can play it. But I know it costs a lot of budget, but the musical part are there. That's cool, man. That's great. Thank you. Yeah, ça fait. J'espère qu'un jour, en tout cas, j'espère qu'un jour, il y aura un concert comme ça à Karak Angren, et vont présenter cet album avec un orchestre symphonique. C'est vraiment très, très beau, quoi. Ça déchire, quoi. Ouais, ça, je vois le truc d'ici, quoi. C'est gros comme une baraque, en tout cas, je le vois d'ici, quoi. The artwork was created by Mr. Stefan Eleman, who has worked with some big names, such as Leadman, Camelot, Epica, Blue Pills, etc. Man, Stefan did a really great job for the cover, for the artwork. Yeah, he's amazing. He's a great guy and an amazing artist. And I met him actually through, because we were both working with Lindemann. Mm-hmm. And I met him at a party. And we did a photo shoot then for the band in 2017. And I really liked his cinematic quality. It's like a Hollywood kind of approach almost. And so I felt then that we, you know, we would work together on this album. And I explained the concept to him and the story, and he came up with ideas, and he just nailed it. It's beautiful what he has done, and it perfectly complements the music, I think.
Ouais, comme il le dit effectivement, l'album, donc en fait la pochette, hein, elle a été faite par Mr. Stefan Heilmann. Il a travaillé notamment avec Till Lindemann, le chanteur de Rammstein notamment, Peter Tadgren de Pain, ex-Dio, etc. Ouais, c'est un beau truc. En tout cas, la pochette, elle est belle. Elle est disponible hein, sur la page Facebook 213 Rock. Allez la voir. Myriam n'arrête pas de la passer, en tout cas, ouais, puisqu'elle est totalement fan. Et en même temps, ouais, c'est une très belle pochette. Et je vous dis, hein, ce disque, il est énorme. Moi, en tout cas, j'ai adoré. Et l'ambiance qui y règne est tout à fait fantastique quoi. C'est vraiment un film quoi. C'est cinématographique à l'intérieur quoi. For the year 2021, you will surely be on tour in Europe, I think, or maybe some good festival again. Yeah, I hope so. I mean, we have to wait how all this stuff develops, but there are definitely plans, and we are just holding on, postponing those plans, and whenever things are possible again, we will of course go on a European tour. Yes, definitely. Yeah, definitely. Effectivement, donc pour l'année prochaine, prévoyons en tout cas Karakang Green en tournée européenne en même temps et ainsi que quelques bons festivals. Just before the end, do you have a message for your fan called Miriam? She's living in Tunisia. Okay, she's fans of your music. That's cool. Hi, Miriam. Nice to meet you. Great that you are rocking along there in Tunisia. I think you have a lot of sun. I like it there, so I'm jealous now. Do you have a message Hello. for, yeah, do you have a message for the audience, please, Ardek? What? Sorry? Do you have a message for the audience tonight? Yeah, I mean, especially, we love the French audience and all of you guys from all over the world. Thank you so much for the great response. That means a lot to both Serigor and me. And hopefully we can meet you guys out there very soon on a tour. And until then, hold on and keep metal. Yes, of course, Keep Metal, Karak Angren, Frankensteina, Strata et Montanus. L'album est sorti depuis le 21 mai dernier via le label Season of Mist. Thank you very much, Ardek. All right. Thank you very much for your time. And Yeah, thank you for for the interview. It was great. yeah, it was very short, but I really love your album. All right. Fantastic album. Amazing orchestration. I love this. Thanks a lot, man. Thank you. Yes. Karak Angren, tout de suite, continuons en musique avec le titre Monster. Hell yeah, sur la Web Rock Station. Vinny Times, le classic rock radio 213 rock.
Hell Yeah sur la Web Rock Station, Vinny Times, le Classic Rock Radio, Carac en Green, Monster sur le 113 Rock, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve donc demain soir, n'oubliez pas, demain soir en direct à partir de 20h, en interview, donc nous aurons Dead Lord notamment, pour l'album Surrender, eux aussi nous appelleront, ça va être au top pour les fans de Finizzy. Merci encore d'avoir suivi l'émission de 113 Rock ce soir, juste pour vous dire que le podcast arrive d'ici une vingtaine de minutes sur la page Vinny Times Facebook, sur la page 213 Rock, Hell Yeah sur la Web Rock Station. Merci encore d'avoir suivi l'émission ce soir. 213 Rock, à demain soir. Ciao, ciao.